Dans l'épisode précédent, on a eu une grosse frayeur à cause du porte-vélo. Ensuite, nous entamions notre périple dans la Ligurie en passant par des petites routes étroites et des épingles serrées. Après quelques dizaines de kilomètres, nous arrivions dans le splendide petit village de Portofino. Par la suite, on entamait notre exploration des fameuses cinq terres, cinq petits villages colorés perchés à flanc de falaise. On vous expliquait comment s'y rendre et quel était pour nous le meilleur moyen de les visiter. Nous, c'est Vincent et Virginie. Il y a quelques mois, on a décidé de tout quitter et de vivre notre rêve. Avec nos trois enfants, Victor, Édouard et Célestine, nous avons pris la route à bord de notre camping-car pour découvrir toutes les splendeurs de notre cher continent européen. Découvrez nos aventures, celles d'une famille nomade inexpérimentée. Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je voudrais vraiment toutes et tous vous remercier car dans les épisodes précédents, on vous avait indiqué vouloir passer la barre des 3000 abonnés. Eh bien, c'est chose faite. Un tout grand merci pour votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Ça nous incite à vouloir continuer de partager avec vous nos aventures durant ce tour d'Europe en camping-car. Mais avant de vous montrer notre périple dans les 5 terres, je voulais juste vous réexpliquer comment nous nous sommes organisés pour le faire, car ce n'est pas très pratique en camping-car. L'idéal est plutôt de se garer à La Spezia, de prendre là-bas un train qui vous emmène de village en village, vous descendez là où vous le souhaitez. Nous avons commencé par le village le plus au nord, Monte Rosso al Mare, et nous sommes descendus en passant par Vernazza. Nous ne nous sommes pas arrêtés à Corniglia parce qu'on avait peur de ne pas avoir le temps de tout faire, puisque nous voulions visiter Manarola, faire une petite randonnée que nous avions repérée sur Internet entre Manarola et le dernier village Rio Maggiore. Pour mieux comprendre tout cela, d'ailleurs, je vous invite à regarder notre précédente vidéo. Et puis, eh bien, comme d'habitude, tout ne se passera pas comme prévu. Mais pour découvrir tout cela, je vous propose de regarder notre vidéo et puis on se retrouve à la fin. Et voilà, on arrive à Vernazza, le deuxième village. Alors, petit conseil, c'est super de visiter les 5 terres quand on est hors saison, mais il faut faire attention aux horaires de train. En effet, il y a bien moins de trains qu'en été. Et donc, voilà, là, on va être un peu court au niveau du temps. On espère pouvoir arriver jusqu'à Rio Maggiore et qu'il fasse encore jour. Donc, on croise les doigts. On va maintenant, à chaque fois qu'on arrive dans un village, on va se renseigner sur l'heure du prochain train pour le prochain village. Et au moins, on aura notre journée qui sera rythmée par les trains. Deuxième village qu'on visite, c'est Vernazza, un petit village de pêcheurs qui était très riche à l'époque. On vous montre ça tout de suite. Il paraît que c'est le meilleur glacier de Vernazza, donc apparemment elles sont plutôt pas mal et c'est vrai qu'elles sont jolies et c'est pas trop cher je trouve. On en a eu là pour 10 euros pour toute notre glace et une petite bouteille d'eau. C'est parti pour la dégustation. Mmh. C'est le meilleur glacier de Vernazza, d'un autre côté il est tout seul aussi. C'est bon, Célestine? Ouais. C'est une glace à quoi? Vanille. Une
nous a donné un petit biscuit comme ça dessus. Et là, on va être... Oh. On vient d'arriver à la gare de Manarola. Et ce qui est assez impressionnant avec cette gare-ci, c'est qu'elle est construite à flanc de falaise, mais tout juste à côté de la mer. Vraiment, tout juste. Incroyable, non? Hey, c'est pas dingue, ça? C'est pas dingue, frérot? Le village est assez vide, c'est assez impressionnant. Il n'y a pas de touristes, ils ont été remplacés par les bateaux qui sont ici entreposés dans la rue, en fait. C'est vraiment particulier. Manarola, c'est un des plus beaux villages des Cinque Terres. C'est aussi peut-être le plus vieux. Il est construit à côté d'une falaise et il est très réputé pour son vin, dont on parle depuis l'Antiquité. Ah, c'est sans doute un des plus beaux, avec vraiment un gros coup de cœur pour celui-ci depuis qu'on est arrivé. Vraiment, c'est plutôt incroyable. Regardez la vue. Clairement, on a une préférence pour l'instant pour Manarola, mais on n'a toujours pas visité Rio Maggiore. La vue est splendide. On sait que aujourd'hui il ne fait pas super ensoleillé, mais ça donne quand même les couleurs qu'on s'attendait. Ça a une atmosphère très particulière avec les embruns de la mer, etc. Franchement, on est, je le dis tout le temps, mais on est scotché. Pour finir la journée, on a décidé de ne pas prendre le train, mais de plutôt prendre la route de l'amour, Via dell'Amore, qui rejoint Manarola à Rio Maggiore, donc le dernier village des Cinque Terres le plus au sud. Et donc, au lieu de prendre le train, on prend le petit sentier qui est côtier et qui va nous permettre, à mon avis, d'avoir accès à pas mal de belles vues. La Via dell'Amore, oh que c'est beau, l'amour, l'amour. C'est pas ma maman. Le hein. Monsieur Andy, oh, il est gêné, hein, il est gêné. Oui, la Via dell'Amore, quel joli nom pour un petit sentier qui, à mon avis, est plutôt chouette. En plus, il paraît que la balade est assez facile, c'est un tout petit peu plus d'un kilomètre, donc voilà, ça devrait le faire. Oh,
c'est fermé. Bon ben voilà, déception ultime. C'est ça, visiter les 5 terres hors saison. C'est se retrouver devant une porte fermée. Donc pas de sentier de l'amour pour accéder à Rio Maggiore. Et on va devoir retourner en arrière, prendre le train. Donc en plus on a loupé le train, donc on va sans doute devoir attendre encore. Ça c'est vraiment dommage, en plus c'est indiqué nulle part. Normalement c'est une partie payante, mais nous on l'a payé avec le ticket de train, donc déception, mais voilà, c'est comme ça. Allez, on se laisse pas abattre et on trouve un plan B. Il existe en fait un autre sentier de randonnée. Donc on a dû grimper en haut du village de Manarola. Ça monte bien et je pense qu'on n'est pas encore tout en haut. Et puis la rando fait quand même pas plus d'un kilomètre pour arriver à Rio Maggiore, mais alors dans le haut du village. Donc voilà, comme ça on aura quand même eu notre petite rando du jour. Comme dit Victor, il y a des marches qui sont plus hautes que longues. Donc ça fait que il y a quand même, je sais pas moi, oula, 45%, 50% de pente. C'est costaud quoi. En plus de ça, au départ, c'était pas prévu. Parce que Virginie a un peu mal au dos depuis que Célestine lui a grimpé dessus en sortant du val, en sortant du van d'Odile et Amaury. Donc c'est pas l'idéal pour Virginie, mais bon, voilà, 1 km ça devrait le faire, j'espère. La Via dell'Amore s'est transformé en Via de la Mort, de la Muerte. C'est costaud. Donc même quand on pense qu'on est bien préparé, eh bien en fait finalement on ne l'est pas tout à fait. C'est ça une expérience cette famille, hein, c'est les poids-poines. Mais bon voilà, ça nous fera des souvenirs, c'est toujours comme ça, c'est les petits imprévus dont on se souvient. Et il y avait même un rocher où on devait escalader le rocher. Ouais. Célestine, elle est à l'aise, hein. Je reprends mon souffle. C'est marrant parce que on vient de poster il y a 2 jours la vidéo sur Gibraltar où on avait fait la randonnée Mediterranean Steps. Si vous l'avez pas vue, je vous la mets tout juste là dans ce coin-ci ou dans ce coin-là, je sais pas. Et en fait, c'est le même type de randonnée avec un panorama de fou. Mais ici, j'ai l'impression qu'elle est plus courte et plus raide. À Gibraltar, on avait fait 1h30, 2h, je pense. Ici, ça fait une demi-heure qu'on est parti, on a fait 400 mètres à tout casser. Donc ça monte quand même vraiment très très fort. Mais encore une fois, toute la douleur et toute la sueur est récompensée par le point de vue qu'on a ici qui est exceptionnel. En fait, on aurait dû prendre la Via dell'Amore. On aurait été au bord de la mer, avec un petit rayon de soleil, une petite glace, éventuellement un petit bar pour s'arrêter. Mais non, on s'est retrouvé sur le sentier du dessus, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus escarpé. Et là, je peux vous dire qu'on n'attend qu'une chose, c'est d'arriver à Rio Maggiore et de prendre une bonne bière et un bon soft pour les enfants, parce que vraiment, ils sont courageux. Tu la trouves comment cette rando, Célestine ? Difficile. C'est vrai, oui? Oui. Là, on a fait la montée, mais après, ça descend.
et où on met son pied comme j'ai fait. Par exemple, là, je vais le mettre là. Voilà. Il faut parfois se mettre comme ça pour descendre les marches. Quand je vous dis que c'est pas des petites montées ni des petites descentes, je sais pas si vous voyez, je sais pas si ça rend à la caméra, mais là je peux vous dire qu'on vient de faire 100 marches en descendant et ça ressemble à ça. Alors vous allez dire, ouais, Vincent, il se plaint tout le temps, ça monte, ça descend, il a calé en Zélande, aux Pays-Bas, et là c'est tout plat. Oui, oui, c'est vrai, mais il faut le dire quand ça monte et quand ça descend. Je veux prévenir les gens, je veux prévenir YouTube, je veux prévenir tous les abonnés des Poipoines que si vous vous lancez dans cette randonnée-là, eh ben ouais, ça va monter, ça va descendre, ça, rien à faire. Je ne sais rien y faire, je peux faire beaucoup de choses pour vous, mais ça, non, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Des petites marches, des grandes marches, des petites marches, des grandes marches. Une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche. Oh la mer, oh la montagne, oh la vigne. Ah ouais, non, non, ça, c'est comme ça ici. Hein. On est en Italie, hein. Ciao la ragazza. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais t'as fait exprès ou quoi? Mais non! Mon Dieu, t'es dans les ronces! Allez, viens ici! Attends, je vais déposer le... Attends. Mais t'as fait quoi? Pas mal parce que t'as quand même il y a des pics là dedans hein. Voilà, on arrive enfin dans le village de Rio Maggiore. On a fait 1 km du précédent village jusqu'ici par le sentier, vous l'avez vu. On a mis 1h15 pour faire 1 km. Plutôt bien, non? Quelles conditions physiques, la famille? Bon, je vais voir si c'est un cul-de-sac, parce que là, il n'y a que des petites rues. C'est vraiment minuscule. Je sais pas comment il fait le facteur ici. Comme si on n'avait pas déjà suffisamment marché aujourd'hui, on ne trouve pas la rue commerçante. On veut juste un bar. Un bar avec une petite bière. Tranquille. Bon, on vous rassure, on a pu sortir de ce labyrinthe, on a retrouvé la rue principale, et oui, papa a trouvé un bar pour y boire une bonne bière bien méritée. Et voilà, on vient de finir la visite de Rio Maggiore, c'était super! Ah oui, c'était super, vraiment cette journée se termine avec un beau coucher de soleil. On a pu visiter les 5 terres, aller de train, de village en village avec le train, et puis cette fameuse randonnée improvisée où on était censé faire la Via della More et qui s'est transformée en rando très 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 escarpée, mais qui restera un très très bon souvenir. On est ici à Rio Maggiore, on va encore profiter un tout petit peu et puis on va reprendre le train vers La Spezia. On a vraiment
vraiment passé une super journée et maintenant on peut barrer les 5 terres de notre checklist. C'était vraiment une destination qu'on voulait faire depuis très longtemps. Donc voilà, ça c'est fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans nos prochaines vidéos, vous pourrez suivre la suite de nos aventures en Italie. Et oui, il y a encore plein de villes emblématiques à visiter comme Pise, Sienne, Florence. Ah oui, oui, encore pas mal de belles images à vous montrer dans ce magnifique pays. Et oui, on espère que nos vidéos vous font rêver, vous permettent de vous évader et vous donnent aussi envie de voyager. Et comme on dit en Italie, on dit quoi ici? Ciao, ciao à tutti. À la prochaine.